O poema é terra angolera. Olha o balanço do mar. Esse é o. Ça va être un audio un peu particulier parce que je suis complètement shooté, j'ai le dos bloqué, j'ai pris tous les trucs que je pouvais pour essayer de soulager. Donc, je euh, pense que ça va être euh, assez marrant. Mais euh, déjà, est-ce que vous pouvez me dire si le son est ok, si l'image est ok euh, L'image, je pense que c'est bon. J'ai remis mon ancienne caméra, donc normalement, voir un petit, euh, un petit effet en, en arrière-plan euh, flouté qui est plutôt pas mal et plutôt pas mal. Euh, C'est comme la semaine dernière, le son tout haché est blindé de coupure. Ok, mais par rapport au son, euh, j'ai eu un souci, c'est-à-dire que quand je termine les paroles, il y a comme une absence de son. Est-ce que ça le fait à tout le monde ça? Euh, parce que du coup, je ne sais pas comment euh, régler ça. Et c'est hyper désagréable quand j'ai fait le montage de la semaine dernière, mais ça me l'avait fait sur les autres, les autres semaines. Est-ce que vous pouvez me dire si ça fait ça Si quand j'arrête de parler, il y a comme, euh, comme si on avait les oreilles bouchées, il n'y a plus, plus rien d'un coup. <laughs> euh, si vous pouvez me confirmer ça. Et après, euh, c'est moi qui merde alors. Euh, tant pis, je ferai du replay. Mais euh, regarde sur les replays, euh, s'il te plaît, papagaille des autres. Pas maintenant, hein, bien sûr. Euh, plus tard, voir si tu l'entends toujours. Parce que si tu l'entends toujours, euh, le problème vient d'ici. Est-ce que vous pouvez me dire déjà, les loulous, non, tout est OK ici à Cagnac, euh, mais est-ce que quand j'arrête de parler, ça ne fait pas une coupure euh, hyper nette Voilà. Bon, les loulous, <laughs> je vais vous parler aujourd'hui euh, du changement de direction. Je ne sais plus comment j'avais euh, euh, noté le, le truc, mais je crois que c'était ça, changement de direction. En fait, je voulais partager avec vous. Ça fait quelques semaines que je suis. Euh, que je m'interroge beaucoup. Sur, je publie tous les jours, en fait, sur les réseaux sociaux. Et euh, plein de fois, j'ai fait ça. J'ai été. Euh, une phase un peu, entre guillemets, hyper active. J'ai tendance à m'éparpiller vraiment beaucoup. Et euh, je trouvais. je trouvais plus le sens de ce que j'étais en train de faire. Euh, et du coup, j'ai commencé à repenser un petit peu à tout ça vous m'excusez mon cerveau il est un peu lent et juste euh, bien sous cachou et du coup mon véritable ma euh, véritable interrogation c'était de savoir ça fait euh, deux semaines que je bosse dessus à qui je voulais m'adresser qui je voulais parler pourquoi comment où quand et, et toutes ces questions là quoi et euh, <coughs> Ça m'a fait, fait prendre conscience de plein de choses. En fait, je partageais parce qu'il fallait partager, et j'étais souvent à côté, parce que mon vrai but, c'est d'apporter, d'apporter de la valeur. La valeur, elle peut être en termes de connaissances, elle peut être aussi en termes de divertissement, elle peut être en termes de connexion entre personnes, en termes d'expression. Et du coup, je me suis vraiment réinterrogé là-dessus. Et euh, j'aimerais savoir, là, s'il y a des profs de Capoeira, j'aimerais savoir s'ils ont une stratégie sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire s'ils s'adressent à tel type de personnes, s'ils ont déjà fait ce travail en amont, ou s'ils partagent juste ce qu'ils font euh, au quotidien, tout simplement. Est-ce que euh, vous pouvez me partager ça, s'il vous plaît, euh, s'il y a des profs, mais je crois que j'en ai vu quelques-uns, il y a, a Porc Espin qui est ici. Il euh, y a Habib aussi, euh, si tu peux me dire si tu utilises les réseaux sociaux justement pour promouvoir ton, euh, euh, ton travail, tes cours et compagnie. Quoi. Euh, ça aussi, je suis là. Coucou, mon grand. <coughs> euh, du coup, je vais passer Facebook Live ici. Comme ça, vous allez avoir accès au chat euh, sur la rediffusion. Ce sera un peu plus simple. Donc, savoir comment vous vous servez des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a aussi ici qui se servent des réseaux sociaux d'un point de vue professionnel, pas que personnel, juste pour partager sa, sa vie. Et ce qu'il y en a qui le partagent d'un point de vue pro Parce que euh, on va principalement parler de ça. Et je vais vous dire ce que je vais faire maintenant avec les réseaux sociaux. Je vais complètement arrêter de vous parler à vous euh, et me concentrer sur d'autres personnes. J'ai mis un petit teaser. Normalement, avec ça, tu restes jusqu'à 22h. D'ailleurs, je ne sais même pas si jusqu'à 22h, je vais tenir moi. <laughs> Alors. Euh, Ici, coucou mon grand. Euh, je sais pas si tu as entendu. Est-ce que toi tu te sers des réseaux sociaux euh, ben, pour promouvoir tes cours ou euh, voir l'école les, les, à, à, à Toulouse? Voir comment vous vous servez des réseaux sociaux. Pas de stratégie, nous dit euh, Porkismin particulière. J'utilise les réseaux sociaux pour promouvoir les cours euh, et l'école. Ok, cool. Oui, LinkedIn. Waouh, wow. pas ce que c'est. LinkedIn, ok, mais tu l'utilises pour la capora ou pour ton euh, pour ton taf perso Moi, je bosse pas avec mes euh, Toro, Oui, ouais, taureau, il fait pas mal de live et compagnie, mais euh, je sais je sais pas s'il est euh, il est en train de nous regarder en ce moment. Ça pourrait être sympa. Euh, ah, pour les cours, ouais, euh, oui, on a des groupes, ok, Vous fonctionnez en termes de groupe. Vous, euh, mais du coup, c'est des groupes qui s'intéressent, enfin, qui, qui s'adressent qu'aux caprices. Moi, justement, le je pense qu'une de, euh, de mes cibles, une des personnes à qui j'ai envie de m'adresser, c'est justement les personnes qui ne font pas encore de capoeira. Euh, et du coup, je vais vraiment moi axer. Euh, enfin, je vais tenter. Je vous ferai des des, des retours et j'ai envie qu'on soit qu'on soit plusieurs justement dans cette dynamique-là. Que un vous me poussiez à y aller et euh, parce que mon objectif va être de faire et d'essayer de faire découvrir la capora à des gens qui ne sont pas caporistes, ou bien à des euh, élèves débutants. Donc je vais vraiment axer euh, 80-90% de l'éducation là-dessus, à apporter de la valeur à ces personnes-là, pour essayer de voir si, euh, ben, si on arrive à les ramener à la capora, si on arrive à créer des ponts, si on arrive à créer des connexions, et voir comment, voir comment ça, ça, ça répond. Euh, voir si j'arrive à, à, à le faire, à m'y prendre. Et bien sûr, toutes les idées euh, seront les bienvenues. Euh, mais je, je, je trouve en fait que... <coughs> je trouve ça intéressant d'essayer de, de parler à des gens qui ne font pas de capora. Parce que, j je, je, je... je vous ai dit, mon cerveau, il est lent ce soir. C'est moi. Mais euh, tout ce que je fais, en fait, j'ai l'impression que ça va... Euh toucher Un public autre, mais là à chaque fois ça parle qu'aux caporistes, aux gens qui me suivent. Les gens qui me suivent sont tous caporistes, et euh, du coup, il n'y a pas réellement d'intérêt de, de faire par exemple la promotion de tes cours ou compagnie euh, si, si j'arrive pas à m'adresser à un autre public. Euh, alors, Maner nous dit euh, aucune stratégie pour moi, je partage pour me faire plaisir et tenter d'apporter un peu de motivation en général. Mais c'est pas du tout réfléchi. OK. Effectivement, c'est ciblé. Euh, tac. Après j'utilise des AdWords Facebook euh, et Insta pour faire mes pubs. Les gens ne sont. C'est-à-dire, tu, tu, tu fais de la pub Facebook euh, et de la pub Insta. Parce que j'en ai fait, il y a... Il y a deux rentrées en arrière et trois rentrées en arrière. Et j'ai un coup d'épée dans l'eau. J'ai perdu euh, mon budget et euh, ça a ramené personne parce qu'en début d'année je faisais justement des... des euh, posais la question tout simplement comment les gens nous avaient connus. Personne par les réseaux sociaux et les pubs que j'avais fait. Pour moi, euh, le problème, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire la reconnaissance. Euh, tu peux m'en parler un peu plus. Euh, le problème pour toi, c'est-à-dire tu ne fais pas de, de partage sur les réseaux, justement. Euh, par rapport à ce problème de reconnaissance Je m'en dire un peu plus parce que je pense que je suis passé un petit peu à côté de ton, de ton message. Oui, j'ai fait de la pub et j'ai eu des retours où des élèves étaient venus via. Ah, ça c'est bien Très bien ça Bien sûr, mon grand. Tu as réussi à toucher des, des, des trucs comme ça. Je suis preneur des petites astuces et compagnie. quoi. J'ai déjà fait de la pub Facebook en pré-rentrée. Et ça a marché de mon côté. Il ah, n'y a que moi qui suis, euh, qui suis complètement passé à côté. Euh, et du coup, tu as des gens qui sont venus parce qu'ils ont vu la, la pub euh, et ça a déclenché euh, le fait qu'ils soient venus ou de toute façon, ils seraient venus. Parce que moi, quand j'avais euh, demandé, euh, pff, que dalle Tout le monde était passé à côté. <coughs> Donc, vous avez compris, hein, les loulous. On va parler de réseaux sociaux et on va parler du, euh, du changement. Euh... La capoeira n'est pas reconnue. Comment ça, la capora n'est pas reconnue m'intrigue, ça. La capora n'est pas reconnue. La capora est connue et la capora est reconnue. Tu parles en tant qu'il n'y a pas de, de Fédération qui chapote un petit peu et compagnie. Oui, mais est-ce que ça, que ça nous impacte, nous, dans la, dans la communication et, 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 et sur ce truc-là euh, Je pense que c'est un réel défi de toucher des non caporistes Oui, oui c'est un réel défi. Je ne sais pas forcément comment euh, m'y atteler. Euh, et on est tenté quoi, euh, c'est au niveau du calibrage de ta pub et des paramètres. Ben ouais, mais écoute, envoie-moi un petit message en me disant comment tu as fait parce que honneur, j'avais fait justement différentes audiences avec, euh, avec différents visuels, justement visuels et textes pour cibler des personnes plutôt jeunes ou des personnes aux vieilles, genre 30 ans quoi. Et, euh, euh, mais c'est passé complètement à côté, quoi. Euh, Alors Laurent nous dit euh, <coughs> euh, Salut Fourou, content de revoir des caporises. Depuis le euh, de Covid, on n'a toujours pas repris les cours. Euh, depuis le premier confinement, il y a un gros manque. Waouh Oui, effectivement, il y a un gros manque. C'était euh, des temps un peu exceptionnels, donc il ne faut pas en tirer de de, de règle générale. en fait, j'aime bien, cette expression, d'une exception ne pas en faire une règle. donc, c'était une année chelou, euh, même pour certains. Et, euh, et voilà, il faut préparer maintenant euh, l'après. voilà. donc, c'est le problème, une fédération donnerait une meilleure visibilité. c'est faux. je ne pense pas que, euh, que le karaté, que les trucs comme ça, euh, aient de la visibilité grâce à la fédération. Euh, je ne suis pas sûr, je pense que c'est euh, rejeter, euh, pas rejeter, c'est peut-être déplacer notre responsabilité euh, individuelle qu'on peut avoir justement en entreprenant, en innovant, en allant chercher un petit peu euh, des routes euh, différentes. Je pense que euh, on peut réellement faire individuellement et collectivement encore plus une vraie différence et ce n'est pas une fédération qui va, faire en sorte, qui va faire le travail pour nous quoi. parce que la fédération peut-être au niveau national va faire une com', mais euh, au local, ça va, être, ça va être une autre paire de manches. Quoi. Et euh, je t'enverrai des screenshots, des pubs que j'ai faites. Oui, je, je veux bien. Je suis intéressé. Euh, et voilà, en gros, les loups. Est-ce que, est que déjà le sujet vous intéresse De savoir que je partage avec vous un petit peu comment j'ai comment réfléchi sur... Euh, bah, sur euh, ma projection, qu'est-ce que j'allais faire à partir de maintenant sur les réseaux sociaux Parce qu'il y a plein de choses que je vais abandonner. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais en fait, tous les jours de la semaine, il y avait un truc sur mes réseaux. C'est-à-dire, le lundi, c'était l'annonce de l'audio du mardi. Euh, le mardi, bah, c'était l'audio du mardi. Le mercredi, c'était le repost du blog en vidéo que je faisais le, le samedi. Et il y avait la rediff euh, des replays sur YouTube et sur euh, Instagram, TV euh, des audios du mardi. Le jeudi, c'était. Euh... <coughs> Une publication pour mettre en avant les, les produits que je, que je vends. Euh, le vendredi, c'était une série sur les élèves pour présenter les élèves. Euh, le samedi, c'était la publication de mon, de mon article de blog. Euh, et du coup, le dimanche, c'était euh, les trois mots. Là, je vous ai dit, honnêtement, les trois mots, j'ai lâché. Ne comptez même pas sur moi pour balancer les trois mots parce que euh, complètement à la ramasse euh, de ce point de vue-là. Mais du coup, ça me faisait énormément de taf, énormément de publications à faire pour me rendre compte qu'au final, il y a 20 personnes qui likent et, et, et c'est toujours les mêmes. Et ça déclenche rien et ça n'apporte rien. C'est surtout ça le, le truc qui m'a frappé. C'est-à-dire qu'avec ces schémas-là, avec ce que je, que je mettais sur les réseaux, je n'arrivais pas à apporter de valeur aux gens, à ceux qui, qui regardaient, qui suivaient. Et ça m'a énormément frustré. Je me suis dit, il faut que je remédie à ça. <laughs> euh, je vais lire un petit peu vos commentaires pour, pour vous laisser le temps d'en écrire d'autres. Euh, je t'enverrai des screenshots, ok. Euh, oui c'est ça. Pour moi, l'objectif n'est pas d'inciter pardon les gens à faire de la capora, mais surtout à faire savoir qu'il y en a par chez nous. Euh, ça avait donc pas mal marché effectivement au point que j'ai cessé les campagnes d'affichage depuis. Ok, cool. Ensemble, on est plus fort. Euh, à l'ancienne sur les forums et les flyers. Oui, oui, localement, c'est des choses comme ça qui, qui marchent. C'est augmenter ses points de visibilité, ses points de contact. Euh, D'ailleurs, ça c'est une de mes questions euh, pour essayer de développer un petit peu tout ça. Euh, mais c'est un de mes objectifs aussi de... Hum, de vous faire participer un petit peu à, à toutes les expériences que je vais faire, c'est-à-dire euh, les postes qui vont marcher, les postes qui ne vont pas marcher. Parce que je me suis dit, moi, j'aimerais principalement m'adresser aux élèves et aux jeunes profs. M'adresser à mes, euh, mes confrères, ce n'est pas quelque chose que je vais euh, pas le faire. Euh, mais je vais m'adresser en fait aux élèves et à ceux qui n'ont pas encore fait de capoeira pour essayer de, les, de leur faire découvrir un petit peu ce qu'on est en train de faire fait euh, aux élèves pour qu'ils restent et qu'ils aient une motivation et, et des supports de la valeur et qui euh, leur apporter de la valeur à ce moment-là et aussi les jeunes profs entre guillemets ou les autres profs qui sont intéressés à se, à se renouveler justement pour euh, je vais essayer de faire un peu le cobaye et de vous partager voilà ça ça marche ça j'ai réussi à faire ça avec ça en faisant telle stratégie en essayant tel truc donc vraiment vous, euh, vous partagez tout ça est-ce que ça vous intéresse d'avoir ces offs-là euh, ou pas du tout Ou vous passez complètement à côté, vous n'êtes euh, pas du tout la cible. <laughs> Et dans ce cas-là, c'est dommage parce que euh, <laughs> c'est ce que je vais faire en fait. C'est euh, principalement ce que je vais faire. Euh, donc Alex dit... Euh, ou donc euh, j'espère... J'espère. Ça peut être efficace ou je sais pas. Ok. Arrêtez avec vos abréviations. Et en PLS moi. Euh... Si ça peut être efficace, étant donné que je ne connais pas de gens qui ont essayé. Mais est-ce que certains d'entre vous ont essayé la pub par boîte aux lettres Oui. Oui, 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 oui. J'avais fait. Et euh... ah. ben moi déjà à Bordeaux, je faisais ça. Bon. À Albi, j'ai fait ça, je crois, que les deux ou trois premières années. Et euh été genre deux semaines avant la rentrée on passait on avait chacun des secteurs et on bombardait sur les sur les parkings des, des centres commerciaux euh, et beaucoup ça et euh, très peu de retours. très 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 peu de retours. pour te dire euh, sur les premières années les dernières on était les premières années j'avais 20 000 flyers 20 000 flyers que dans ma tête je voulais à peu près toucher la moitié d'Albi et euh, les dernières années, on a fait euh, 10 000 flyers. Des gros tirages pour nous et euh, quasi aucun impact. Quoi. <laughs> et euh, lo localement, dans ma, dans ma réalité ici, ça n'a pas marché. Peut-être que ça marche pour, pour des personnes et euh, très bien. Ce qui a beaucoup marché euh, l'an dernier, c'est qu'en fait, on faisait des entraînements en extérieur dans le centre-ville. Et énormément de personnes nous voyaient. Et là, j'ai eu plusieurs personnes qui ont commencé Grâce à cette porte d'entrée-là, c'est-à-dire nous voir euh, en train de s'entraîner, en train de rigoler euh, dans le centre-ville. Ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup, enfin beaucoup. J'ai peut-être eu entre les enfants et les adultes, entre 5 et 10 personnes, euh, donc c'est quand même pas mal, euh, qui sont venus justement parce qu'ils nous ont vus et qui nous ont vus même plusieurs fois et ça leur a donné envie. quoi. Et, euh, et en plus, on avait beaucoup de points de contact, mais on ne distribuait pas de flyers tu vois. D'ailleurs, j'en imprime plus des euh, Donc, je reprends un petit peu les. Euh, pour inviter ses voisins de quartier. Et ça, 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 marche, euh, ça marche bien, faire des cours où tu demandes aux gens de ramener des amis. Ça, ah, c'est sympa. Le fait, je l'ai fait quelques fois. C'était bien. J'avais fait des stages aussi en début d'année. Euh, profiter pour surfer un petit peu sur les, sur les bonnes résolutions un stage de bonnes résolutions. Euh, j'avais fait de l'affichage un petit peu sauvage au, sur les feux rouges et compagnie. Euh, ça, ça avait marché. Personne ne s'était inscrit et j'avais eu entre 10 et 15 personnes hors Capoeira qui étaient venues. Alors, euh, peut-être faire ça. Donc, il risquerait. Mince, alors je reprends. Genre, invité, euh, non, je n'ai pas essayé. Euh, il risquerait de mettre des réglementations sur les grades il y a des fédérations. Oui, et alors euh, tous les efforts fournis individuellement nous épuisent. Oui, 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 et euh, un des un, un, articles que je vais écrire au moment pas dans l'immédiat mais bientôt, euh, c'est entre confrères et concurrents. C'est-à-dire que un des problèmes, c'est que euh, se considèrent comme des concurrents et non pas comme des confrères. De plus en plus, on commence à les voir travailler main dans la main et euh, ben, déjà la dynamique complètement différente, l'énergie complètement différente. Et euh, là, il y a vraiment un travail de groupe, il y a vraiment un travail collectif qui, qui s'opère. que Chacun dans son coin essayer de faire quelque chose euh, très, très vite, comme on dit. Euh, tu vas vite, mais accompagné, tu vas loin, quoi. Euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'apporter de la valeur, justement, euh, par rapport à ce que je fais. Montrer un petit peu les off. C'est pour ça, là, peut-être il y a des gens qui vont pas du tout être intéressés parce que, et, ils vont pas donner des cours et compagnie. Mais c'est pour ça que je vais, je vais être sur les, sur les deux trucs. Je vais expliquer les, les postes et, et la direction que je prends sur les réseaux sociaux. Euh, c'est-à-dire expliquer mes objectifs, expliquer comment je m'y prends, expliquer euh, les, ce que je mets en avant et comment je, comment je procède, je vais vous montrer tout, tout, tout ce côté-là, je ne sais pas comment on peut l'appeler la, ce côté-là, euh, on va dire les off, et en même temps, euh, ma vraie cible, enfin, pas, pas, pas ma vraie, mais ma première cible va être les élèves et les personnes non caporistes pour essayer de les faire rentrer dans la capora, Enfin, rentrer, les faire découvrir la capoire. Euh, donc, euh, carrément, 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 euh, super. Euh, JSP, je sais pas. Ok. Tu as le son coupé Non. Non, non, non. Non, ok. Ça doit être, ça doit être toi qui as coupé le son. Euh. Point de vue euh, d'une non-caporiste en parlant des posts Facebook et tout ça, c'est peut-être mieux de mettre moins par semaine, mais avec des contenus différents. Qu'est-ce que tu appelles des contenus différents euh, c'est quoi des contenus différents est-ce que, euh, est que tu peux me donner quelques petits exemples euh, le truc des réseaux sociaux c'est euh, aujourd'hui si tu ne publies pas très régulièrement tu peux très vite te faire noyer c'est à dire que l'algorithme ne va pas forcément te mettre en avant bien qu'il prend d'autres choses aussi en compte et euh, d'avoir une grosse présence euh, c'est bien surtout pour moi euh, ne devrais pas dire ça et je privilégie la, la, la fréquence la haute fréquence on va dire plutôt que euh, de la grosse qualité c'est à dire que euh, faire des trucs de grosse qualité pour moi euh, c'est mettre beaucoup de temps pour quelque chose dont tu sais pas si ça va marcher ou si la qualité va être perçue donc je préfère faire un truc ça par exemple les audios du mardi c'est euh, génial j'ai un travail en amont mais après je branche, j'ouvre et c'est en live. C'est-à-dire que ça ne va pas me demander du, du montage et compagnie. Enfin, j'ai un petit peu de montage après. Mais c'est quelque chose qui est, qui est très simplifié. Et donc, euh, donc je préfère être présent en fait régulièrement. C'est beaucoup plus de... Enfin non, c'est un taf différent. Euh, c'est peut-être tout simplement une peur que j'ai de... On m'oublie, quoi, qu'on ne pense plus. <laughs> Euh, donc ça pourrait euh, créer un incubateur, ce projet de pub. Ce projet de pub Quel projet de... Alors, preneur de retour d'expérience, c'est clair. Euh, qui marche, c'est le site internet et les démos, les initiations de notre côté. Ouais, le site internet, c'est bien aussi. Pas mal de... Euh... Moi également, pourtant je le travaille. Enfin, je travaille pas les... Euh comment on appelle ça de référencement complètement nul là-dessus et justement euh, j'essaie de lui redonner un petit peu de, de passage en, en y postant les blogs comment ça va créer du passage et là j'ai revu euh, la, la structure de mon site internet pour pouvoir euh, ouvrir une nouvelle, euh, nouvelle section qui est apprendre euh, dans lequel je vais euh, offrir de la valeur aux personnes qui ne font pas encore de capora ou euh, élèves de capora et pourquoi pas plus tard aux, aux, aux jeunes profs comme je disais tout à l'heure euh, j'aime beaucoup que tu présentes tes élèves à ah, cool euh, ouais moi j'aime beaucoup le faire aussi parce que ça les met en lumière et je trouve ça euh, super intéressant et les gens se projettent et le problème que j'ai c'est que la plupart ce sont que des caporistes qui voient ça donc du coup euh, c'est bien, mais l'explosion la, la, qu'il pourrait avoir là-dessus, hein, le retour, euh, je, je passe complètement à côté, je pense. Euh, les MJC, les maisons de quartier aussi ont de, des réseaux. Oui, oui. Mais tout, en fait, mais après tout le travail associatif, tout le travail que tu peux faire de partenariat, d'échange avec, avec d'autres clubs et compagnie, euh, ça c'est hyper important. Là, J'axe vraiment... Euh, toujours sur les réseaux sociaux, en fait. C'est vraiment sur ce côté, euh, côté virtuel, quoi. Moi, j'ai... Euh, tout est serré, rien ne fonctionne sauf les rodes de rue. Ouais. Les rods de rue, ça, ça dépend si tu te fracasses sur... Mais après, ça dépend. Tu vas attirer un public que, que tu as envie. Euh, mais les rodes dans la rue, ouais, 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 c'est cool. Mais nous aussi, c'est les rodes, les entraînements. Et ça marche très bien. Je pense que plus les entraînements que les rodes parce que les rondes, il y a encore l'aspect impressionnant et les gens se disent c'est trop difficile. Alors quand ils voient les entraînements, ils voient que c'est accessible, que c'est progressif et compagnie. Je parle pour moi. Petit problème de vidéo. On revient et tout est ok. Euh, les fly sont jetés par les gens en même temps que les pubs diverses. Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de... Beaucoup de nombre, en fait, il faut, il faut de la masse. Et, euh, et écologiquement, ça ne me parle plus. Et en termes d'énergie, pour, pour, pour si peu de trucs, euh, avant, on se mobilisait à, à une dizaine de caprices, on avait, on avait euh, dessiné, euh, quadrillé la ville d'Albi. Mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de taf pour trop peu de choses. Alors, positive, je trouve que l'ensemble de tes publications m'ont inspiré sur différentes manières. Voire, euh, même travailler quelques pistes de réflexion que je n'avais pas envisagé. Merci, merci beaucoup, ça me touche. Euh, et euh, et j'espère que euh, ce que je vais faire va être encore plus inspirant, c'est ce que je souhaite, encore plus pertinent et apporter beaucoup plus de valeur. Quoi. Euh, merci pour ta réponse, bah, avec plaisir et vive l'affichage sauvage. <laughs> euh, ouais, en sachant que nous, on avait eu des... Euh, c'est à dire que sur un grand rond-point qui est à côté où il y a énormément de passages, en même pas deux heures, c'était déjà retiré donc on est repasser après pour, pour les remettre. Mais euh, ouais, oui, entre profs français, c'est plus simple. Euh, tu parles des rondes. Je pense que tu parles des rondes. Ouais, je vois pas pourquoi, mais euh, ouais. Coucou, coucou princesse, mais bon anniversaire alors, ma louloute. Alors positive nous dit merci pour ton expertise. Ouais c'est un, un, un grand mot. Euh, j'aimerais trop, euh, j'aurais trop aimé avoir ce type de vidéo car à la rentrée de septembre euh, dernier pour ma première année de cours enfant j'ai tenté de travailler sur différentes approches forme des assauts mais ah oh, ça a lâché. Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Voilà, normalement c'est reparti. Euh, mais euh, celles qui ont bien opéré, celles de sortie des écoles, ah ouais, ça fait, moi j'ose pas, j'ai trop peur de le... Ça m'angoisse euh, directement avec les parents et les enfants ainsi que le bouche à oreille. Ça, faire euh, la sortie des écoles, je pense et j'en parle depuis plusieurs années, Et j'ai vraiment trop peur de, de la réaction et euh, de... Je, je sais pas, je trouve ça... Euh, je, je suis sûr que ça, ça parlerait parce qu'en plus, ça toucherait principalement les jeunes et c'est une cible qui est très difficile à, euh, à toucher. Et, euh, et cool que tu l'aies fait et cool que ça se soit bien passé parce que du coup, tu, tu, tu ouvres peut-être une piste pour moi. Euh, donc, Sophie, tu dis euh, genre, tu vois faire le challenge de l'assouplissement du dos, j'ai trop aimé. Ah oui, là où j'avais fait le, tout le mois sur le dos. D'ailleurs, euh, mon dos, il est, il est HS. J'ai appris des mouvements de capoeira alors que je n'en fais pas du tout. Et c'était cool. OK, cool. Donc, les petits tutos, les petits trucs comme ça, ça, c'est des choses que je vais faire, justement. Essayer de repartir de la base, essayer de montrer comment on peut s'en faire seul, quoi. apprendre à, à faire des coups, qu'est-ce que c'est la capoeira, et, 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 et ainsi de suite. Donc, euh, ne vous étonnez pas s'il y a des postes qui sont très... Euh, on va dire très simples pour des capoeiristes qui ont... Qui ont Connaissons, mais c'est vraiment je vais vraiment m'adresser à des gens qui débutent juste ou bien qui ne débutent pas pour leur donner envie euh, et après il y aura d'autres postes. je pense que je vais le faire sous forme de podcast en fin de semaine et me, me faire face cam et je vais expliquer euh, voilà cette semaine j'ai voulu faire ça j'ai obtenu tel résultat ça a marché ça n'a pas marché je suis passé complètement à côté et euh, je pense que je le ferai comme ça euh, et la caméra a relâché mais vous inquiétez pas les loulous, on revient tout de suite. Et de toute façon, je pense qu'on va faire une petite pause maintenant. Comme ça, je termine de lire vos commentaires au calme et on va regarder Rubrique euh, de Capoeira Pérou, tout simplement. Donc continuez à balancer les commentaires les loulous et on se revoit. Monsieur Duce, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chou. Monsieur Duce, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Le planter de bâton ne va pas. Le planter bâton, le planter de bâton. Le planter de bâton, Le planter, moi, bâton, Monsieur Luce, ça ne va pas Salut les loulous, j'espère que ça va. Sans plus tarder, on attaque l'épisode d'aujourd'hui qui est la suite de celui de la semaine dernière sur le berimbau. C'est parti On a vu la semaine dernière que la première difficulté qu'on rencontre quand on fait du berimbau, c'est bien entendu de l'armée. Je me balance je mon dîner entre les le cimetière, il y a des vautours perché sur les pierres un gros zombie pas chouette quoi après moi avec une machette chauve-souris dans le hangar il y a du sang sur le trottoir Y il a un pendu dans la cour ça pense en bien faire un petit tour on a la pleine de sang et on rit ma femme couche avec sa Bref, je passe les détails. Vous savez tous qu'armer un berimbao, au début, c'est vraiment galère. Et quand vous allez armer votre berimbao les premières fois, vous allez juste réussir à l'armer juste un petit peu. voyez, pas beaucoup. C'est quand le berimbao, il a un bon gros son de Mais j'ai exagéré un peu tout à l'heure en faisant le zazou parce que la difficulté c'est pas forcément de tendre le bâton, c'est de réussir à faire le petit nœud au bout tout en gardant le bâton tendu. C'est là le vrai problème. Tout ça pour finir par faire un nœud qui tient pas. Et dans ces cas-là, il y a toujours un mec qui te dit "Vas-y, vas-y, monte la calebasse, tu vas voir ça va le faire." Ouais, tu parles. Tu sûr que la calme est quand même pas trop haute Bon, une fois que vous avez enfin réussi à armer votre berimbau, on passe à l'étape 2, ce que j'appelle le petit rototo. Vous savez quand vous traînez sur internet, vous finissez parfois par tomber sur des vidéos de bruits qui sont satisfaisants. Et bien ça, ça n'est clairement un. Alors ce son est d'autant plus satisfaisant pour les capoeiristes parce que quand ils l'entendent, c'est aussi pour eux un soulagement qui leur permet de réaliser qu'ils ont armé leur berimbau sans encombre. Ben oui, parce que dans un berimbau, tout est fragile, tout se casse, que ce soit le bâton quand on l'arme et tous ces petits craquements qui sont vraiment la hantise des capoeiristes. C'est pas le bâton quand on arme le berimba, ça peut être la corde ou la rame. Et d'ailleurs, la rame elle s'use et elle finira un jour inévitablement par se casser. Et il faudra bien entendu prévoir des pièces de rechange. Et c'est pour cette raison que selon moi, les capoeiris sont la seule espèce au monde qui sont capables d'être en total love quand ils passent devant un tas de vieux pneus pourris. Et quand la rame casse, qu'est-ce qui finit très souvent par casser en même temps que la rame La calebasse. Bien entendu, parce que quand la rame casse, si vous n'avez pas le réflexe, qu'on a d'ailleurs pratiquement jamais, de coller votre ou comme ça, votre calebasse, elle va probablement tomber par terre et se fissurer. Mais ça, peut-il seulement le comprendre Peut-il seulement le comprendre Seulement le comprendre. On voit tellement de calebasses avec des joints de colle. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, bien entendu, on est loin d'avoir tout dit sur le berimbau, et on continuera très bientôt cette petite série de vidéos. Ciao. Et d'ici là, que dans la capoeira, on est tous des débutants et que certains le restent un peu plus longtemps. Des bisous, les loulous. Euh, tu vas pas partir comme ça. Ta vidéo elle fait même pas dix minutes. Allez. Bon allez c'est d'accord. Du coup si vous de votre côté aussi vous avez du mal à armer votre berimbau, pourquoi ne pas finir cette petite séquence par un petit tuto bricolage pour mettre en place un petit dispositif simple pour armer votre berimbau. Hein? Eh oui avec trois fois rien et en trois coups de cuillère à peau, vous allez pouvoir réussir à mettre en place un petit dispositif pour armer votre berimbau facilement, sans abîmer de manière irréversible ou modifier de manière irréversible votre instrument, en gardant toujours la même tension entre les différentes fois où vous allez l'utiliser, en tout, gardant toujours la possibilité de l'armer de manière classique, c'est-à-dire à la main, et bien entendu, ça sera adaptable à tous les berimbau, et pas cher C'est parti pour la musique libre de droit voilà, le tuto est maintenant terminé. Je vais vous montrer comment armer le Berimbao avec ce dispositif. Alors, je l'ai fait à peu près en 10 minutes de mon côté. Donc, les premières fois, le temps que le système se mettra en tension, il faudra, c'est pour ça, préférer une position haute et descendre petit à petit le collier parce qu'au niveau des nœuds, ça va se tendre. Donc, les premières fois, votre Berimbao ne sera pas trop tendu, mais au fur et à mesure, vous allez obtenir un. Euh, euh, à chaque fois euh, une tension du berimbau euh, euh, plutôt intéressante. Mais pour l'armer, donc je, le plus simple c'est de prendre donc votre boucle donc qui est fermée et votre berimbau, vous armez et vous passez tout simplement la boucle et vous avez votre berimbau qui est armé. Et maintenant, que as armé ton berimbau, tu vas pouvoir faire une démonstration. Mais bien entendu. C'est exactement ce que je vais faire maintenant. Le petit le petit tuto faites le faites le on va voir euh, très rapidement pour ou contre ce genre de truc là sur les bellimbao je pense qu'on va on va déclencher quelque chose de on va déclencher la guerre et voilà les loulous euh, donc on peut on peut applaudir très fort notre ami malouk qui a bossé comme un taré euh, pour pouvoir sortir la vidéo à temps donc on va prendre le temps euh, d'apprécier son travail et de le remercier donc balancer un maximum de choses commentaire parce que ça va vraiment lui faire plaisir et ça va vraiment le motiver donc c'est super cool tout ça Pour en revenir après on n'a plus énormément de temps je suis fan pareil à fond hum. Du coup, je ne sais plus qui me parlait des hashtags. Je crois que c'est Mané qui me parlait des hashtags. Ouais, moi j'essaie. Euh, J'avais travaillé justement sur mes hashtags, voir les hashtags qui, qui, parlaient le, qui avaient la plus grande audience et celles qui avaient la plus grande interaction aussi euh, avec les gens. Et il y a des choses que je ne fais pas assez, c'est-à-dire identifier euh, la ville. Par exemple, sur Instagram. Tu peux identifier, euh, toutes les villes ont, ont un compte Instagram, tourisme, euh, et compagnie. Euh, et ces choses que je ne fais pas du tout assez, c'est justement de les identifier dessus. Euh, par contre, euh, je crois que je viens de perdre le chat, parce que je vois sur OBS que le chat est en train de, de passer, mais euh, sur Facebook, là où j'ai le chat d'allumer, il n'y a rien qui se passe. Euh, du coup, je suis un peu, un peu, perdu. Donc, si je passe à côté de certains commentaires, euh, Chacha, je compte sur toi. Je ne sais pas si je compte sur elle. Euh, <laughs> donc, euh, sur les hashtags, ouais, en gros, euh, j'essayais d'avoir trois hashtags qui étaient euh, de mathématiques, donc de la capora, euh, trois hashtags qui étaient euh, des personnes vers qui j'étais euh, dirigé justement ma publication. Et trois autres hashtags qui étaient euh, et décrivaient euh, ma, ma publication, mais j'avoue que je le fais pas forcément à chaque fois. Je fais un copier-coller des hashtags que, que j'utilise. mais Il va falloir que justement j'emploie des, des techniques parce que, euh, et puis on, on, on reparlait de, de, de choses. Je, je et en fait, le le, le but ne va pas. D'être de faire quelque chose de par exemple des photos en centre-ville, des choses comme ça, ou même moi, la série que je fais en présentant les élèves, mais c'est à regarder ce contenu et c'est ça que je pense qui va faire une énorme différence. C'est pour ça que j'ai essayé de, de réfléchir à qui je voulais m'adresser pour pouvoir, au fur et à mesure, déjà affiner mon discours et aller chercher ces personnes-là. Mais là, là j'ai quelques petites questions à vous poser. C'est quoi ton format préféré C'est-à-dire, est-ce que tu préfères la photo, la vidéo, euh, le texte écrit euh, C'est quoi ton format préféré On va dire entre entre ces ces trois audio, vidéo. Non, entre ces quatre audio, c'est-à-dire tout ce qui va être genre podcast et compagnie, vidéo, texte ou euh, photo. Ouais, on va dire entre ces quatre vidéo, audio, texte. Est-ce que tu peux me dire très rapidement, juste pour avoir un petit, un petit sondage là, très rapide? Donc, euh, Chacha, vidéo, audio, là je vois un truc qui apparaît sur le côté, mais je ne le vois pas qui apparaît ici. Euh, ah, si, ça y est, je préfère les, cachettes v, les cassettes VHS euh, 100% capoeira, 100% spectaculaire, 100% angola. J'en ai, en ai encore, j'en ai encore... Euh, yes. bon. euh, mais j'ai plus de caméscope, enfin de magnétoscope. Du coup, j'ai plus accès au truc. Donc, euh, vidéo, vidéo audio, vidéo, ça dépend ce que tu veux faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas, ça dépend ce que tu veux faire. Alors, c'est Sophie qui m'a dit ça. Euh, non, toi, qu'est-ce que tu préfères consommer Pigeon voyageur, ok, texte et vidéo, 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 audio, euh, vidéo pour moi. Ça, c'est juste pour faire croire que t'es pas si vieux. Okay. Euh, c'est par rapport à Manel, je pense. Euh, alors, Sophie nous dit vidéo, ok, vidéo courte plus texte. Cool, ok, ok. okay. Euh, quel est ton réseau social préféré Sur lequel tu passes le plus de temps et sur lequel tu... Le plus et est -ce que tu peux me le balancer, texte histoire sur la capo, le Brésil, etc. Ouais, texte pour aller plus en profondeur. En, en gros, et ok, okay. Euh, quel est ton réseau social préféré? Très rapidement, si tu peux me dire ça, ça serait cool. Une autre question, ensuite, faut que j'ai la note parce que sinon je vais l'oublier. J'entends Chacha qui rigole, mais je ne sais pas pourquoi encore. Je vais lire. Hein Qu'est-ce qu'il a marqué euh, de, de plus en plus Instagram. Euh, Instagram et Facebook pour toi. C est, c est, essayez d'en choisir un. Le, 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 le plus. Alors, Instagram, la boutique du koala. Ouais, <laughs> bien joué. Facebook. Euh. Facebook et Insta. Essayez d'en choisir un pour me faciliter les, euh, la vie, s'il vous plaît. Euh, Facebook. Facebook. TH. Une mise à jour Adobe qui vient de être sur mon écran. Je ne vois plus rien. Insta. OK. OK. Dis quoi La meuf, je ne l'ai pas vue. Ah oui, je le vois ici. Meuf. Oui. Oui. Euh, bon point. <laughs> Instagram, ok. Euh, le réseau social sur lequel tu apprends le plus de choses, là où tu, tu consommes de l'information pour pouvoir apprendre le plus. Tu peux me répondre à ça maintenant Et c'est marrant parce que dans les réseaux sociaux, euh, personne n'a parlé de YouTube, personne n'a parlé de euh, TikTok ni de Snapchat, ni de tout ça. Avantage, si tu fais une pub sur Insta, tu peux la faire aussi apparaître sur Facebook. Oui, mais même tes publications. Tu as juste à cocher un, un petit truc et tu les partages, par exemple sur mes stories. Elles se partagent sur Facebook et, euh, et euh, Insta en même temps. Et la même chose, j'utilise Business Facebook pour programmer mes publications en fait, à l'avance. Je l'ai fait, fait en fait sur, sur la semaine. Ma public, mes publications sont faites sur la, la semaine. Et tu peux le déverser soit sur Facebook, soit sur Insta, ou soit sur les deux. Donc, là où tu apprends le plus, par mail, ok, cool. YouTube, il faut raisonner à l'envers. Quel est ton public Et je te le dis depuis tout à l'heure, mon public, ceux qui ne font pas encore de Capoeira, euh, ou les élèves, et. Par résonance, vu que je vais expliquer la démarche derrière, les jeunes profs ou les profs qui ont envie d'aller un peu plus loin. Euh, si tu vises les jeunes et les débutants, mais en fait, je ne vise pas forcément les jeunes, je vise les débutants. Ou après, ça, ça, je vais, il va falloir que je parle justement aux ados et aux, aux moins ados. Euh, c'est Insta, Snap ou TikTok. Facebook, c'est pour les vieux. L'avantage de Facebook, en fait, moi je vais essayer de. Alors, je, je termine de dire ça. Euh, les livres et les vieux maîtres, ça compte Non, parce que là, on est dans le dans le, dans le virtuel et les réseaux sociaux. Euh, ensuite, c'est pas. Il ne faut pas avoir. Ne prenez pas le truc qu'il n'y a que ça. Là, je suis en train de vous parler que je, je vais essayer de développer et de changer euh, ma cible, justement. Euh, mais n'allez pas croire qu'il n'y a que. Euh, ce moyen-là de vous faire connaître ou d'apprendre des choses. Euh, Instagram me sert à apprendre et trouver de l'inspiration, euh, de la motivation pour m'entraîner. Cool. Instagram et YouTube. OK. Qui ici est sur TikTok euh, Qui est sur TikTok Ne mentez pas, il y en a, je sais que vous y êtes. D'accord euh, Qui est sur TikTok Très rapidement, est-ce que vous pouvez me dire ça J'ai bougé un petit peu, j'aurais pas dû, j'ai le dos en feu. Vous avez vu quand même les loulous Je redresse un petit peu. Je ne l'ai pas montré depuis le, le début, mais je ne sais pas dans quel sens tourner. La caméra, elle est bloquée Non, c'est pas vrai. Mais non. La caméra, elle n'est pas bloquée, je vois que ça bouge ici. Euh, Alors, qui a TikTok Alors, Télégan, euh, Spin. Euh, je n'ai pas TikTok, non. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous êtes si jeune et en même temps si vieux. <laughs> Il y a plus de son, quoi Il y a plus de son Si si, pas mal le t-shirt, toi wow. Il y a plus de son Non 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 non, déconne pas. Si si, il y a du son, il y a du son, il y a du son. C'est toi qui as les oreilles bouchées. C'est tout. Laisse-moi, laisse, -moi, laisse -moi croire à ça. Euh, J'ai essayé TikTok, mais ceux que je suivais repostent sur Insta. Ouais, il y a pas mal. Bah avec les, les réels en fait, c'est le même format et euh, c'est le même format. Le son est bon, ok, merci. Merci, il est loulou. Et, Et j'avais une dernière chose à dire, mais je ne me souviens plus. Euh, je ne me souviens plus. C'est dommage, hein, que je crois que du coup, euh, ben, on va s'arrêter là. En tout cas, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Euh, je vais essayer de vous partager euh, tout ce que je mets en, en œuvre pour essayer de, de, de toucher ce nouveau public. Euh, je ne vais pas faire des choses qui vont forcément être adressées à vous dans un premier temps, dans une première lecture, mais essayez de voir la deuxième lecture et de. De, de toute façon, je l'expliquerai. il faut que je documente un petit peu tout ça. Parce que, en gros. Ah, mais si, mais je... en fait, J'en ferai peut-être une vidéo, justement une première vidéo. Euh, du coup, j'avais travaillé, mais vous n'allez pas voir. En gros, ça ressemble à ça, euh, ce que je vais mettre en, en œuvre c'est-à-dire que j'ai réfléchi à la cible que je voulais, euh, à qui je voulais m'adresser. le mot cible est un mot un petit peu euh, dur, mais en fait à qui je veux parler. Euh, j'ai réfléchi à quel est le problème que cette personne rencontre et auquel je peux apporter une aide, une réponse ou un soutien. ensuite, quels sont les avantages proposés par la capoeira qui peut répondre à ce problème-là. Ce problème, problème j'aime bien l'anagramme du euh, dur. C'est un problème difficile, urgent et reconnu, c'est-à-dire connu de tous. Euh, et du coup, ça, ça va être les euh, choses que je vais vraiment essayer de travailler. Ensuite, qu sont, quelle est ma valeur ajoutée Qu'est-ce que moi, je peux apporter et comment je peux le faire Ensuite, euh, mes objectifs, c'est-à-dire j'ai travaillé mes objectifs, comment je vais mesurer si je suis... Euh, si je suis pertinent, si ça marche, ou si je suis complètement à côté euh, dans ma démarche. Et euh, ensuite, le reste, j'en parlerai, euh, parlerai plus tard. Waouh wow. Ça a bloqué. Mon Facebook a lâché. Facebook a complètement lâché. Chacha, est-ce que tu peux me dire si on me voit